Eh, trop bien. Ça me va à merveille. Ça va me procurer du plaisir à donf. Zou, à GG vendu. Une heure de chasse et puis après on revient à l'agriculture avec les copains dans Stardew Valley. Très bien, je ne pouvais pas mieux rêver. D'ailleurs, je vais être vilain, mais je vais manger des croissants devant vous. Na. J'ai faim, c'est l'heure du goûter. Na. Il me faut mon périphérique de jeu. Apex, Avalanche Open World Engine. Passé, je me connecte à rien du tout. Oui, non, ne me demande plus. Oui, c'est rigolo qu'on soit accompagné par des chants grégoriens, qu'on lance le simulateur de chasse. Ça n'a aucun rapport. Et là, au loin, sur la montagne, un monastère. Le jeu de chasse qui vous dit, allez vous faire prier. Ah, je démarre au camp de Ancient Felfelden. L'autre, comment qui ressuit le téléphone? Là aussi, j'ai presque tout oublié. Accéder à l'armurerie. Ah! C'est vrai que j'ai des points d'expérience et de la thune virtuelle. Ah ouais, mais je suis pauvre. J'ai moins de 1500 et le premier flingue est à 6000. Stockage. Ah, c'est ce que j'ai sur moi. Ah, bah c'est largement suffisant. Waouh. J'ai largement ce qu'il faut. Équipement 2, équipement 3. Attends, c'est quoi la différence? Ah, casier inventaire, d'accord. Là, mon inventaire est vierge. J'ai 0 kilo de matos. Ok. Donc, équipement 2. J'ai deux flingues, deux types de munitions avec lunettes. Je peux faire l'appel, machin. C'est pas mal, l'équipement 2. L'équipement 1, j'ai à peu près la même chose. J'y crois pas trop. Ouais, je préfère avoir juste deux flingues, pas trois. Camouflage au falti. Ouais, c'est pas mal ça. Pour les servider, ouais. Essayer de les appeler. Ouais, ça me va ça. Ouais, l'équipement 2, ça me va très bien. Alors attends, dans le simulateur apparemment il va faire nuit, c'est ça? Bah merde, j'ai le flingue mais j'ai pas de munitions. C'est débile de me donner des flingues sans les bonnes munitions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça n'a pas de sens. Bah. Alors là, il y a un truc que je pige pas là. Qu'est-ce qu'il y a, Dragon? Tellement que ça allait trop vite dans Sonic, ça a mis. Oui, ça a retourné le cerveau, ouais. Non mais ouais, non mais c'est intense le. Il est beau, mais il est intense le Sonic. Attends, je comprends pas. Pourquoi il me dit que j'ai rien au niveau des flingues? Si je reviens dans l'équipement de type 1, il se passe quoi? Ah!
Bah, j'ai le petit flingue. C'est bizarre. Bon, bah, je vais garder ma config par défaut. Je comprends pas tout. Hein. Franchement, je comprends pas tout. Alors, attends, interagir. Je ferme là. Se reposer. Ouais, d'accord. Se réinitialise après une certaine durée. Ah, ça coûte de se reposer. Oh la vache. Mais attends, 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 attends. Je sais même pas dans le simulateur quelle heure il est. Ah, il est 19h dans le simulateur. Non, mais je me réveille au petit matin. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Bah, je vais me réveiller à un petit peu avant 7h. Allez, 6h45 du mat. Même pas. Ta bannière est toujours sur Sonic. Oui, elle va changer dans 10 minutes à quart d'heure. Merci de la remarque, Torota. Mais ouais, c'est mou. Au bout de 10 minutes, ça change. Ça va se faire, t'inquiète pas, dans les 5 minutes. Merci, Torota. Mais bien vu, j'aime bien. T'as les bons réflexes, Torota. Bien vu, bien vu. Merci, merci. Je vais me promener le long de la route et puis dès que je repère des traces ou un cri, un chant, je sais pas quoi, on va traquer l'animal. Enfin, pas n'importe quel animal, j'aimerais traquer des cervidés. Attends, la carte, elle dit quoi? Elle est où la carte? Ah, elle est là, la carte. Je serais plutôt tenté d'aller sur ma gauche. Je vais faire la route sur la gauche. Bon, on va éviter de courir. Alors, c'est plus une promenade que de la chasse, hein. Évidemment, les délais de track, machin. C'est là, on va passer une heure à être relax, à se promener en forêt, virtuellement parlant. Voilà. Mais c'est beau. Ceci se peut se dire, c'est beau. Ah, de première trace. Ah, un daim ou trop. Peut être intéressant. Et là-bas, c'est quoi? Ah, un cerf. Ah, le cerf m'intéresse plus que le daim. Il était au trot. Ça c'est le daim qui passait par là. Donc attends, mon cerf lui il était là-haut. Merde, je crois que j'ai perdu trace de l'animal. Ah, il y a quelque chose là. Déjection très ancienne de daim. Ah,
Ah merde, je suis du mauvais côté, il y a le vent qui porte mon odeur vers la plaine. Mais c'est vrai que Nash m'avait conseillé de démarrer sur les prairies ouvertes pour voir les animaux passer patiemment et pouvoir les traquer. Terrier de la Pinouse. Ah, il y a un lapin qui est sorti très récemment. Ah, il y a quelque chose là-bas. Accouplement de chevreuil. Alors attends, je pense que je peux avancer normalement dans un premier temps le long de la prairie. Et arrivé dans l'orée du bois, je me mets à accroupi. Alors mon gros souci c'est que... Merde, cri d'avertissement. Je pense qu'il a repéré mon odeur. Parce que je suis dans le mauvais sens. Je sais pas si on peut le voir avec la jumelle. Paire de jumelles, please. Merci. Calme, dérisoire. C'est un petit chevreuil. C'est un petit chevreuil. Donc, on va aller entre les deux arbres là-bas. On va pas faire plus de bruit. On va lentement aller entre les deux arbres là-bas pour repérer les traces de notre cible. Voilà. On va pas se mentir, hein, le simulateur, c'est au moins 80% de contemplation. Mais serre l'accent, c'est terrible, ça doit être un simulateur de chasse. Serre l'accent dans le sens que... Attends, il y a quelque chose là. Ça me permet de décompresser, vous voyez, avant de reprendre Stardew Valley. Ça me permet de décompresser par rapport à la folie de Sonic. Où ça m'a... Ah merde, il fuit. J'étais si proche que ça. Ça m'étonne. Bon, le problème, c'est que l'animal se s'est traqué. Qu'est-ce que j'ai vu, là? Un lieu de pâturage. Ah. Chevreuil. Ah, d'accord. Je sais même pas si dans l'heure je vais avoir une bête.
C'est pas... J'ai l'impression que le... Oui, ça tourne à la pluie là. Ouais, il pleut. Oh merde, il y a une averse. Bon, je crois que je peux me relever parce que... L'animal m'a entendu et il s'est barré. Ouais, à l'instant, ouais. Il s'est fait dessus, on peut le dire. Départ. Attends. Non, ça c'est de l'éjection à l'instant, ouais. Il s'est barré par là-bas? Sérieux? Ah merde! Ouais, mais y a mon odeur. Il est malin, l'animal. Il se met là où y a mon odeur qui porte, donc il peut me repérer. Il sait que je le traque. Pardon, j'ai un problème avec ma souris. Ah, attendez, je vais essayer de... Ouais, non, mais il va m'avoir de toute beauté. Il s'est exactement mis dans l'axe du vent. Donc il va me reflairer. Il va pouvoir me blairer. Et là, je vois rien. Non, il a traversé la route. Ouais, je pense qu'il est passé de l'autre côté de la route. Aïe 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 aïe. Ah bon? Il est passé par là? Non, trop bizarre. La 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 la. Attendez, le vilain que je suis va se savourer un deuxième croissant. Enfin, si je... Ah merde!
Avec la rive opposée dégagée, ça me plaît beaucoup. Là, une bagnole arrive. C'est génial, le chant des oiseaux. Attends, je me débarrasse des branches. Alors. Ah, t'es sûr? C'est un genou. C'est un genou. Il n'y a rien d'autre? Ah si, il y en a un autre. Vous êtes sûr que c'est pas des femelles? Est-ce que je peux me mettre allongé? Non? Si, je peux me mettre allongé. C'est mieux. Alors, au flingue. Quel est le bon flingue? Celui-là, le flingue à lunettes. Oula, ça va pas être évident. Je sais plus comment on fait pour retenir son souffle. Ouais, je l'ai touché. C'est obligé, je l'ai touché. J'ai touché le bide. Ah, il y en a un autre qui court. Oh, il est beau lui. Merde. Oh, je l'avais pas vu. Oh, le massacre. Je suis en train de buter toute la famille. Alors la cour, Forest. Alors là, il y a eu carnage là. Alors attendez, là je suis dans les marécages. Ne me dis pas que j'ai loupé toutes mes cibles. Il doit y avoir du sang quelque part. Ouais, il crie. Cri d'accouplement des chevreuils. Wow. Pas de traces de sang, je sais pas. Ça m'intrigue. Oh merde, je peux pas faire de l'escalade. Ouais, j'aimerais monter, mais j'ai pas le droit. Oui, avertissement, oui, bah oui, tu parles.
Mais j'aimerais monter, j'y arrive pas, ça m'énerve. Le relief est trop escarpé. Ah, examiner les traces. Oui, bah qu'il se barre le renard roux. Les traces des pas par là-bas. D'accord. Buvet, ouais. Mais mon souci, c'est que j'arrive pas à remonter. C'est quoi ça? Lit marqué fraîche. Ah. D'accord. Il y a un animal qui dormait là. Quoi? Très fraîche. Ouais, déjection. Mais je suis en train de faire 15 km à pied et j'arrive plus à monter. Voilà, merci. Du coup, je sais plus du tout où est ma cible. Mais alors, plus du tout. Voilà, il y en a qui sont partis au trot par là-bas. Ils sont partis au galop. Galop, ouais. Oula. Cri d'avertissement. Pourquoi je peux pas me servir de la paire de jumelles? Je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Ah ouais, non, mais là j'ai pas compris là. Oh! Je les ai vus. Vous avez vu, ils ont bougé. Ils étaient là-bas. Regarde, oh, magnifique! Oh, ils sont beaux. Ils sont en train de se barrer. Mais je comprends pas. J'ai plus d'interface. Je peux plus rien faire. C'est quoi le délire? Pourquoi j'ai plus d'interface? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est nul! Merde, j'ai sifflé. Ah, photographie, non, c'est dommage. Bah, ça aurait dû être juste avant la photographie. Ah, j'ai retrouvé mon flingue. Pas le bon, mais mon meuf. Bon, on a vu qu'il était passé par là-bas. J'ai pas compris pourquoi j'ai bloqué mon interface. Je sais pas comment j'ai fait. C'est frustrant, vraiment. Ah, merde, attends. Bah,
Comment ça, le dame fuyait? Je les ai vus partir par là. Ils m'ont contourné, ils m'ont feinté? Non, 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 non. Non mais je m'en fous du... C'est le superbe cerf avec ses bois qui m'intéresse. Ah merde, alors là c'est ancien. Ils sont pas passés sur l'autre plaine. Mais ouais. Je pense que je vais voir des trucs là, non? Galop. Ouais. Ils ont dû se mettre à l'abri sur le bois suivant. Non, je ne les vois pas à l'oreille du bois. Au trou par là-bas. Cri d'avertissement du chevreuil. Pourquoi je ne le vois pas? Attends, je vais ruser, je vais feinter, je vais essayer de passer en amont pour les piéger. Ah, oh, merdoum! Ouais, mais non, mais non, mais laisse tomber, quoi. Allez, mais tu peux grimper la colline. Oh là 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 là. Le relief est pas correct. Bah oui, il fuyait. Bah oui, bah, ils étaient tout proches. Mais tu pars avec un tel raffut. Oh, c'est agaçant. Ouais, donc ils sont repartis par là-bas. Ouais, bof. Je suis déçu là pour le coup.
Pardon, c'est ma souris qui est pas facile à maîtriser. Ah. Ah. Ok. Vache. Alors lui, pour l'avoir, ça va être sport. Ça va être très très sport. Je serais pas allé jusque-là. Accroupi, oui, mais pas allongé. Évidemment, la souche va me poser problème. Ouais, là, je vais perdre sa trace, malheureusement. Aïe, merde. Dur, dur, dur. Vous allez voir que je vais faire aucun animal dans l'heure. Ouais, on va d'abord aller par là. Ah bah merde alors. Ouais, j'ai perdu trace de l'animal là. On va contourner le rocher, on va essayer de le prendre en amont. Ça, si j'arrive à l'avoir en plongée au niveau du tir. Ce sera pour moi la domination totale. Alors, est-ce qu'on le voit le salopio? Attends, il y a la route. Merde, il doit pas être loin. Ouais, elle est où ma cible? Ah. Comment ça? Cri d'accouplement. Ah merde, il a bougé ce con. Il a bougé près des rochers. J'irai bien par là. Bébé. Et oui, vous êtes sur la chaîne Nature et Découverte. Amalia. Oh. Oh bah d'accord, il y a tout le monde qui s'accouple par ici. Ah bon, déjection très ancienne, bon, si tu le dis. Oh! Putain, il m'a fait peur ce con!
Quoi, il m'a senti? Ah merde, il fuit. Oh bah d'accord, il fuit en ma direction, ce cet abruti. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui a fait ce bruit? Alors, il est où le bestiau? Alors, jumelles. J'y arrive pas. Non mais c'est pas possible, il s'est barré. C'est pas possible autrement. Des pas par là-bas? Sérieux? Ah. Où ça? Quoi? Serait parti par là-haut.
J'y comprends plus rien là. Je vais redescendre sur la route, hein. Je vais redescendre sur la route. Message de Torota 77. Je vais t'aider à attirer les animaux avec mon cri sublime. Ki 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 ki. Ah, excellent. Trop par là-bas? Non, descendu en aval boire un coup? Sérieux? Non, on n'y voit rien là. Mauvais angle de vue. Voilà, c'est trop abrupt. Ça y est. Ah. Cri d'avertissement. Où ça, là-bas? Je vois rien. Bah, fuyait, oui, mais où? Je vois rien du tout. Attends, je descends sur la rive. Ah, j'ai vu un truc courir par là-bas, moi. J'ai vu un truc détalé par là-bas. Ah, c'est les oiseaux que j'ai vus. Et là, sur les rives, il n'y a rien. C'est quoi ça? Oh non, c'est un végétal. Ah. Non, c'est la pluie qui m'a fait. Ouais, non, c'est la pluie qui m'a fait comme l'effet d'un flash. Côté opposé, il n'y a rien. Rien de rien. Bon, bah c'est la misère cette session de chasse. Je suis honteux. Une heure de track pour rien. Ouais, tu relances Stardew Valley. Ouais, je te rejoins dans Stardew Valley aussi, Torota. Ouais. On va y retourner parce que là, bon, je suis désolé, hein, mais le... J'ai été vraiment mauvais.
Bon, bah. Quitter vers le bureau. Ah, attends, je vais réactiver la vocale. Ouais, 50 minutes de track, nullissime.